Vous voulez tout savoir sur la Bible? Branché au pas de la Bible, chaque lundi, mercredi et vendredi, à partir de 8h jusqu'à 8h30, avec le pasteur Maurice Lapierre, représentant de la version King James en Haïti. Avec lui, vous allez tout savoir. Soyez des nôtres. Vous saluez tout le monde, encore, et bienvenue dans l'émission Radio Télé Voix du Réveil. Et émission Baro, qui vous vraiment aider dans la vie à tout sa volonté dit, selon sa volonté, pour que vraiment nous puissions jeunes à tirer bénédiction de Dieu dans la vie. Parce que la Bible explique tout le monde. Et par exemple, aucun livre sur terre qui a expliqué le mieux que mon Dieu, il est le Créateur. Ok, nous tournons encore dans la numérologie. Nous t'ai fait 1, 2, 3, et je dis on va faire 5. Et après, on fait 4, donc on va fatiguer. Pour le 5 ans, il est compliqué dans le sens que nous hésitons, moi, dans le pays d'Haïti surtout, nous avons les 5 ans, nous avons eu l'autre signification. Il y a un petit jeune musique parce que nous avons vraiment besoin d'aide. Et nous décider pour nous aider dans ça. Par exemple, 5, en plus côté, majorité, tout le côté que vous tendez, vous voyez, c'est là où signifie la grâce. Et pendant ce temps, nous parlons pour vous que 5 signifie la mort. Et à chaque fois, on crée bon 5, et puis, il partit avec comme la grâce, ça va être un petit problème dans le sens que nous ne parlons pas. Mais on se regarde que nous connaissons que nous le cas privé, nous le quitte à privé, que nous sommes capables d'aider dans la situation. Parce que nous là, on était. On voit ça, c'est notre devoir. Ok? 5, plus facile à localiser. Dans la Bible, on est très conclusif. Et puis, nous saisissons moins de temps difficile pour les Haïtiens. Ok? On parle de signification pour 5 ans dans aucun livre numérologique qui est écrit. Parce que nous saisissons ça. Donc, elles sont, ça sont devenus un problème. Et dans les arrêts, étendard d'interprétation du numéro 5, dans les arrêts, selon la Bible, et nous allons établir pour tous les étudiants de la Bible et tous les professeurs de la Bible, et même les non-sauvés, parce que je dis que c'est une grâce. Ok, il y a l'impression que sous deux raisons que vous basez, peut-être vous dites que c'est une grâce. Premièrement, il faut connaître que la grâce a 5 lettres. Mais, quand vous sortez avec les vous dites que c'est 5 lettres là, même quand vous sortez à des fois que 5 lettres tout, parce que c'est grace, je dis, pas grâce, il vient de dire pas grâce, mais c'était grace and death, tout là, il y a 5 lettres. Je veux dire, l'autre a dû lire en français, on voit mort la ligne 4 lettres. Mais côté peut-être dans la signe 5 lettres, il dit tout. On voit ni la mort, ni la grâce. Par exemple, deuxième raison, je veux dire ici des grâces parce que dans la mort de Christ. En tout cas, donc on va dire comme ça que ici, grâce, c'est grâce pour les pécheurs. Mais c'est condamnation pour le débouché, c'est un moment. On voit une condamnation pour le débouché, c'est ça, pas rien pour être avec exactement le numéro même. Avec le nombre même, qui est simple. Par exemple, on prend quelques exemples. Au Rwanda, par exemple, aux États-Unis, c'est un pays de grande puissance, pays développé. Il y a un pile de bagailles que l'Europe nous donne, et qui est basé sur cette vérité. Par exemple, il y a que il y aurait les Mayday. Mayday, on va te le dire en anglais. Ça veut dire jouant une mémoire. Pour qui raison, il y a Mayday. Mayday, qui ça veut dire, c'est un signal de détresse pour avion que par exemple, avant un avion écrasé, c'est que vraiment, pilote là, quand on joue une opportunité, il voyait un signal de détresse. Ça. Mayday, mayday. Et il y a un temps qu'on est que l'équipe.
Et mais ça, c'est le cinquième mois de l'année. Mais, cinquième mois de l'année. Je dis, mais c'est un signal de détresse qu'on avait dans le pays. Alors, pour quelle raison que je vois mais c'est un mot qui est très avancé. On sait que le bagage, il n'y a pas pour un conseil de bagage ça à légère. Il y a pas exactement ça à faire. Et il y a le côté aujourd'hui avec. Ok. Par exemple, est-ce que c'est un accident ou que le signal de SOS, il émet une fréquence de 700 kilocycles, kilocycles et kilohertz. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est un accident? Attendez, est-ce que vous trouvez que son autre accident, pour nous, 5 ans, vient donner un signal en SOS pour un bateau qui va effondrer ou qui va couler en pleine mer? Bah, on se trouve que c'est un accident. Pour que l'autre signal de détresse pour SOS, un bateau, c'est mieux simple que lui, il va couler. Ou il a vraiment un problème. Le monde va le monde. Attendez ça. Bon, l'autre bagage qui est vraiment important que nous allons montrer là, par exemple, dans l'Ancien Testament, c'est un signe de bête qu'il y a sacrifié sur l'autel. Vous voyez que l'autel, mesure, dimension autel, c'est 5 par 5. Avant que vous tuez bête là-dessus. Ça veut dire que vous bâtissez l'autel, vous mesurez 5 par 5. Et c'est là que tu es en pile. Ça veut dire 5 par 5. Bon, ça, c'est l'autre raison que, on voit, on n'est pas capable de même penser que saint signifie grâce. On ne peut pas aller plus loin que ça. Par exemple, en première mort naturelle dans la Bible, l'Irivé dans Genèse chapitre 5, verset 5. Vous allez bien? Première mort naturelle qui fait dans la Bible, n'a pas les mêmes pour le premier homme qui est Adam. Il fait dans Genèse 25, verset 5. Vous trouvez que son accident, son coïncidence, pour que premier monde qui a mouru naturellement, normalement, que mon Dieu a fait créer, puis premier mort, il est exactement dans Genèse 5, verset 5. Là, je vais vous réfléchir à ça. Réfléchir à ça. Par exemple, nous allons encore. Dans Amos, excusez, acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 5, verset 5. Où il y a la mort d'Ananias. Et puis dans 5 autres versets encore, et la mort d'Adam. Ça veut dire. Dans acte des apôtres, chapitre 5, verset 5. L'Esprit s'est détruit à Ananias, dans le moment que Pierre prêchait. Vous avez vu? La mort dans le chapitre 5, verset 5. Et puis dans 5 autres versets encore, Madame Nimou. Vous avez vu? Vous trouvez que ça c'est coïncidence ou bien accident? Ok. On a le toujours. Par exemple, vous avez Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le chapitre de la mort. Il commençait par Adam. Vient jusqu'au Christ, chapitre de la mort. Et où il est loin. Moi, je sais qu'il va aller histoire qui est voulu avec la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Romains chapitre 5. Pas oublié, verset 5. Genèse 5, chapitre 5. Acte 5, chapitre 5. Romains 5. Pas oublié. C'est ça vraiment important, ça va parler là. Parce que faut qu'on soit capable de démontrer mon bagage dans la Bible. Par exemple, nous toutes les chaque personne normale, on voit bien cette douleur. Nous comprenons que il y a l'autre qui a gagné 6. Chaque personne normale dans la vie gagne exactement 5. Et tu les as vu? Le Jésus-Christ, tape mon réseau quoi? Pour voir combien de blessures que le tenait. Et d'un côté, tous les deux mains de gagne tout, plus tous les deux pieds il fait 4, et plus beaucoup qui fait 5. Dans la mort de Jésus-Christ. 5 blessures. Vous trouvez que c'est accident, mais coïncidence? Ok? On va aller toujours. Ok. Par exemple, il y
y a un paquet de monde que vraiment ont été tués. Et au saisi pour eux, ces gens-là ont été frappés sur la cinquième côte. Par exemple, nous allons vérifier. Côté, dans le premier groupe, on vérifie. Deuxième Samuel. Vous avez écrit ça, on vérifie ensemble. Ça, c'est exactement la cinquième côte, ça. Côté que Ève est sortie. Pas oublier ça. Deuxième Samuel, chapitre 2, verset 23. Deuxième Samuel, chapitre 2, verset 23. On vérifie. Ah, ça va avec. Chapitre 2, verset 23. Deuxième Samuel. Et tout, néanmoins, il refusa de se détourner. Et tout, c'est pourquoi Abner le frappa sous la cinquième côte avec la partie antérieure de sa lance. Déjà, si bien que sa lance lui sortit par derrière et il tomba là et mourut sur place. Et il arriva que tous ceux qui venaient au lieu où Azaël était tombé, morts, s'arrêtaient. Ça veut dire, les jeunes le frappent et bien frappent sur la cinquième côte. Je sortis par terre et je mourus. Ça fait une. Ça c'est 2 Samuel, chapitre 2, verset 23. 2 Samuel, chapitre 3, on y a. Chapitre 3, verset 27. Chapitre 3, verset 27. Et lorsqu'Abner fut revenu à Hébron, Joab le prit à part au portail pour lui parler tranquillement. Et là, il le frappa sous la cinquième côte, si bien qu'il mourut à cause du sang d'Asaël son frère. Cinquième côte toujours. Vous voyez ça? Vous voyez plus loin. Oubliez ça. Chapitre 2, 4. Verset 6. Chapitre 2, 4, verset 6. Vous voyez ça? Et ils entrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour y prendre du blé, et il le frappa sur la cinquième côte. Et Rachab et Baana, son frère, s'enfuit. Ça veut dire cinquième côte, cinquième côte, cinquième côte, la mort. Elle est à chapitre 20. Verset 10, même auteur. Dans le même livre, chapitre 20, verset 10. Chapitre 20, verset 10. Mais Amasa ne prenait pas garde à l'épée qui était dans la main de Joab, et il en frappa à la cinquième côte, et versa ses entrailles à terre, sans le frapper de nouveau, et il mourut. Par contre, comprends. Pour qui ça? La Bible insiste sur le mouvement ça. 5, la mort, la mort, la mort, la mort. Pour ça. Et pendant ce temps, que tout le monde nous a mis la grâce, nous avons acheté pour être capable d'établir ça. De façon que pour nous capables de trouver plus de vérité, bien sûr. Parce que 5, c'est la mort. Par un, il fait la grâce. Si par exemple, ou t'as un seul côté dans la Bible, c'est la grâce, tout l'autre milieu, c'est la mort. Seigneur. Dans les ans, Éphésiens 5, verset 25, l'amour de Christ. Dans les ans, Éphésiens 5, verset 25, l'amour de Christ. Numéro 5, c'est la mort. Dans les ans, songez à les 5 filles de Michal, et on vient avec le Michael, au moins la fille de Saül. Il dit que David t'es pas nous. Dans les aveux, t'as gagné 7 seigneurs de Philistins qui luttaient constamment avec Israël. 5 seigneurs Philistins de gagné qui battent jambes les Israël en brique. Toujours assemblés soldats pour le moment Israël. T'as gagné 5 rois que Josué t'a cherché et puis finalement il met des pieds sur eux et le tuer. T'as gagné 5. C'est la mort. Et tout juif, yo, par exemple, juif, yo, prend Paul, yo bat li 5 fois et yo a besoin de tuer. Vous voyez, ça a ouvert dans le même mot, 2 Corinthiens, quoi, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24. Et tout, des juifs, j'ai reçu 5 fois 40 coups moins 1. Ça veut dire. Pendant 5 fois, il mettait mes souliers, pendant 5 fois, il a essayé de faire un fond de gravel. Bon, il a 39 coups de ballon à chaque fois. 40 coups moins 1.
ça signifie. En tout cas, nous disons Dieu merci pour grâce avec faveur que le fait. Mais pendant ce temps, ça que nous voulons, pour que vraiment nous soyons capables de comprendre, la Bible, par une signification, pour qu'on puisse saisir pour elle, Satan est intéressé pour le bon 10 autres. Et puis il est tellement fait une réalisation par là, parce que le bon ministère qui est là, a volé, touillé, détruit. En façon que pour le capable boucher la vérité. Parce que si tout le monde voit une vérité, ça a un problème qui est grave. Et la vraiment grave. Mais pendant ce temps, tout le temps que vous ne pouvez pas connaître, ou bien tout le temps que vous êtes capable de porter confusion, et vous êtes capable de troubler nous, ça a l'effet. Et il fait ça en grand genre. Et bien après, on nous dit, il met en pile le monde dans le pourri. Et c'est ça qui fait que nous arrivons dans une série de niveaux que nous arrivons là. Parce que Satan est vivant. On voit même bien qu'il y a un monde qui pensait que Jésus, bon Dieu, pas vivant. Comment faut-il croire Satan vivant? Pourquoi que bon Dieu pas vivant? Si vous croyez dans l'enfer, faut croire dans le ciel. C'est vrai. Ça veut dire qu'il y a une équipe de monde qui faut connaître que la Bible, son livre que l'homme écrit. D'accord. Bon Dieu a utilisé l'homme pour écrire. Mais d'ailleurs, on défie plus que 40 monde écrit un livre. Pendant ce temps, en plus là, il y a une patronne l'autre. Il y a une patronne l'autre. Il y a une patronne la génération l'autre. Et il n'y a pas le même côté. Et puis pendant ce temps, pas de contradiction. Et contradiction pour quelqu'un, l'homme force de dire. Dans la version parole. Il y a forcé de corriger. Il y a forcé de foncer l'histoire. Mais l'Esprit Saint lui-même, il n'y a pas de contradiction. Et les 12 accalés, vous comprenez? Mais pendant ce temps, nous faisons notre travail. Par exemple, nous avons une étude pour nous faire pour vous. Pour nous montrer que, en tout cas, qui peut mieux sortir. Et là, ça nous fait content. On va être content. Et puis, qui vient du travail que vous faites? Par exemple, vous faites un pile, vous retirez un pile, vous mettez un pile, vous retirez un pile, vous ajoutez un pile. Mais nous croyons que seul, Bible que vous n'avez pas de chance pour ni mettre ni retirer, lire la version King James. Et nous disons Dieu merci que je dis à qui va permettre que nous étudions pour nous comprendre, en façon que vous pouvez partager avec nous, avec nous toutes, en façon que vous pouvez clair la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne bagaille, vous pouvez saisir pour elle. Quelque chose que savant Dieu a fait, ça va toujours là. Et le blématique. Regardez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, regardez pour que les deux, tel bagage arrivé à David, parce que mon Dieu était un problème avec Juifio. Et puis, l'on a des dans l'autre livre, en dans la Bible, les deux consacrent que Satan était capable de mettre le doigt de David, il t'a résisté. Ça veut dire, l'été Dieu, l'été diable tout. Bon Dieu, eux ne punissent pas. Peuple. Il fait, parce que David, font péché. Pendant ce temps, les deux que Satan était comme un homme droit, David qui a résisté. De façon que le cas fait péché avant du cas puni. Ça veut dire, la Bible explique très clair que Satan, c'est bâton contre Dieu. En plus, fois, il y a quand même permission. Et vous avez dit, ouais, Satan a passé quelqu'un qui est bon pour battre. Et il est bon Dieu par permission. Et les bon Dieu par permission, il va capable. Et ça m'a dit qu'on peut bien référencer dans Job. Quand que l'aide, ça a besoin de faire un zap sur Job, il était obligé à le bon Dieu avant, parce que Job t'en est protégé, sécurisé. C'est pas mon côté qui a touché comme ça. Mais bon Dieu était par permission, et puis c'est ça qui pourrait, ça qui terrible, Job là, terrible. C'est parce que Job t'est péché dans un moment, et parce que bon Dieu t'a besoin de montrer mon plan. Il y a un monde, à l'époque, qui n'a pas fait volonté ça. En tout cas, nous disons Dieu merci pour grâce, car ça veut. Et donc, nous-mêmes, nous sommes l'homme mortel, nous sommes sujets à la mort. Nous gagnons 5 doigts dans chaque pied, nous gagnons 5 doigts dans chaque main. Et nous sommes sujets à la mort. Pas oublier ça. Parce que c'est
En tout cas, on a continué exactement dans l'étude de la numérologie, en pensant qu'on va montrer aux significations non bio pour l'autre, on n'a pas tellement bon problème. Ok, nous disons du merci et nous apprécions ce que fait dans la vie et ce que l'ICA a toujours fait dans la vie de tout le monde et même dans la vie du pays. Que bon Dieu avec nous. Merci beaucoup. Vous voulez tout savoir sur la Bible? Branchez au pas de la Bible chaque lundi, mercredi et vendredi à partir de 8h jusqu'à 8h30 avec le pasteur Maurice Lapierre, représentant de la version King James en Haïti. Avec lui, vous allez tout savoir. Soyez des nôtres.